Bonjour et merci de votre fidélité. Pour le premier temps de parole ce matin, on va parler des conditions de travail à la prison de Magicavo avec deux représentants des Faux Justice. On a le secrétaire national sur le plateau, Emmanuel Baudin, bonjour. Bonjour. Et puis on a également Vincent Pardoux qui est secrétaire départemental Réunion Mayotte. Toujours des Faux Justice, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur le plateau. La première question qu'on a tous envie de vous poser, messieurs, c'est comment vont nos agents pénitentiaires à Magicavo, évidemment. Bah écoutez, ils vont, ils font aller et tiennent l'établissement à bout de bras. La situation est compliquée. Nos collègues qui étaient dans le bâtiment lors du mouvement collectif et de la prise d'otage sont en arrêt maladie, ont un accident de travail plus exactement. Psychologiquement, c'est compliqué et on peut le comprendre. On a donc des collègues qui sont revenus au travail, qui travaillent. On a les équipes, les SP de La Réunion qui sont venues prêter main forte. Et on a aujourd'hui les équipes régionales d'intervention de sécurité qui sont sur place pour encadrer les mouvements et sécuriser les établissements. Donc il y a des renforts. On a des renforts. Permanents. Puisque la situation ne va pas mieux, 647 détenus lors du mouvement, on est aujourd'hui à 686 détenus. Oh. Donc on voit que ça continue à monter, il y a eu un peu moins de 30 transferts, 25 à peu près sur la Réunion et quelques 2-3 sur l'Outre-mer. Donc on a une situation qui... L'Outre-mer, c'est-à-dire dans d'autres départs, en métropole. Non, en métropole. Oui. Donc on a une situation très compliquée avec des détenus qui rentrent. Et donc l'obligation, et c'est ce que j'irai porter quand je vais rentrer à Paris auprès du DAP, directeur de l'administration pénitentiaire et du ministre, c'est d'organiser un transfert massif avec l'affrètement d'un avion, comme on a pu le faire dans d'autres régions, et faire partir des détenus qui n'ont plus rien à faire à Mayotte. Alors moi, tout à l'heure, quand on discutait avant le début de l'émission, vous disiez il y a des détenus qui n'ont plus rien à faire à Mayotte. Alors c'est vrai que, vu de notre côté, c'est-à-dire pour des gens qui ne connaissent pas la vie carcérale ni comment on travaille dans une prison, ça paraît... bizarre d'entendre ça. Oui, parce que dès lors qu'on est condamné à un certain nombre d'années de prison, on a des établissements plus adaptés à prendre en charge ces détenus pour préparer à la réinsertion, à leur sortie. Et à Mayotte, on n'est pas dans cette situation avec 4-5 détenus par cellule, avec des activités qui sont très limitées, le travail très limité. Qu'en métropole, on va pouvoir offrir à ces détenus du travail, une formation, etc. et leur permettre, quand ils ont condamné à de longues peines, à pouvoir se réinsérer plus facilement. Et puis aussi, ça va permettre à Mayotte de retrouver un peu de place. Bon, la crainte, c'est qu'elle soit vite remplie, mais aussi de casser, quand vous avez des détenus qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, voire plus, ben, ils se sont installés dans la prison, ils ont créé un réseau, ils sont connus. Et faire partir ces gens-là, ça va permettre aussi de casser tous ces réseaux et de permettre de reprendre la main sur cette population pénale. Vous voulez dire qu'il y a des baronnies, quelque part, qui sont mises en place à la prison de Magicavo, avec des détenus tout-puissants qui font la loi ? Oui, mais c'est le cas dans toutes les prisons. C'est malheureusement un phénomène où les gens vont prendre une place, vont devenir des chefs de réseau, vont continuer des fois à gérer leur trafic à l'extérieur. Et ça, il faut le casser. Et puis, ça permet aussi d'avoir la possibilité, parce que les détenus qui, eux, n'arrivent, ne connaissent personne, donc c'est plus facile à gérer. Donc, et puis, même pour les détenus eux-mêmes, je vous dis, pouvoir repartir sur un projet... pour essayer de voir au bout une fin de peine avec du travail. Parce qu'ici, à Mayotte, pour gagner de l'argent, il n'y a pas de travail à l'intérieur, ou très peu, c'est des oxys. Donc voilà, c'est un tout. Mais l'idée, c'est réellement de pouvoir... Et je vous dis, quand je parle, il faut faire partir 60 détenus d'un coup. On affrète un avion, ça s'est fait ailleurs, on les emmène. Alors ça va être compliqué, parce que la métropole, comme La Réunion, mais Vincent en parlera... On est aussi débordé, on a des détenus partout. On a en plus un ministre qui vient, vous connaissez la situation budgétaire, qui vient d'annoncer un coup de frein sur les constructions de maisons, de prisons. Il veut faire un point, il a raison d'ailleurs, voir un petit peu ce qu'on fait, parce qu'il y a des priorités. Mayotte est une priorité. Je pense que j'avais obtenu de Dupond-Moretti la construction d'un CD dans le sud il y a de cela déjà plus de 2 ans. On n'a toujours rien vu. Oui, oui. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque Mayotte, Magicavo a été sous-estimé. On a fait 278 places. C'était ne pas connaître la situation de Mayotte, sa population, etc. Donc aujourd'hui, il faut un CD, ou là peut-être... CD, un centre de détention, voilà. Pas un conseil départemental. Voilà, hein. Et là, peut-être que ces gens de longue peine pourront avoir une autre peine. Et... Vincent Pardoux, jusqu'à présent, quand il y a eu des départs de prisonniers de Mayotte, c'est souvent pour La Réunion. Et récemment, oui. Huguette Bello a dit, et notamment après la mutinerie, elle a dit stop, il faut arrêter d'exfiltrer, si je puis dire, les détenus maorais à La Réunion, parce que nous, on est plein.
Oui, alors historiquement, on a toujours, si vous voulez, absorbé pendant de nombreuses années les difficultés que pouvait avoir le centre pénitentiaire de Magicavo. Oui. C'est aussi l'aide régionale et ça peut se comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, la situation dans notre département, sur La Réunion en tout cas, n'est plus le même qu'il y a quelques années. On a des prisons surpeuplées, notamment les deux maisons d'arrêt hein, qui sont à Saint-Denis et à Saint-Pierre, avec des taux de surpopulation allant jusqu'à 200% dans certains quartiers. Donc c'est plus possible, si vous voulez, cette aide régionale n'est plus possible. Il faut trouver d'autres solutions. C'est vrai que notre isolement géographique, et c'est une problématique, fait que dans la zone océan Indien, il est très difficile, si vous voulez, de transférer des détenus. Ça se faisait aussi par vols commerciaux. Mais dans un vol commercial, on ne peut pas remplir des personnes détenues. Il faut aussi des gens qui accompagnent. Je veux dire, il y a une mise en place, une organisation qui est assez chronophage. Et il faut trouver les moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse. La Réunion est en difficulté, Mayotte est en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Emmanuel Baudin, on arrive à des taux de surpopulation records sur Magicavo et on voit pas d'ouverture. C'est-à-dire on voit pas cette nouvelle construction, on voit pas de possibilités pour faire évoluer. La nouvelle construction, les agents pénitentiaires et notamment ceux de FO Justice à Magicavo plaident depuis de très nombreuses années pour l'agrandissement de la prison, enfin je sais pas comment on dit, mais en tout cas de l'établissement de Magicavo. Je sais pas si on dit prison, centre de détention, tout ça, je connais pas bien les termes, enfin, en tout cas l'établissement de Magicavo. J'ai le sentiment, quand je les écoute, qu'on les balade depuis un certain temps à pas trop leur donner de réponse. Or là, vous savez que c'est mort pour agrandir Magicavo. Oui, alors des études, bien sûr, ça a été une revendication et je tiens encore à saluer l'équipe locale d'FO Justice qui est vraiment partie prenante dans cette volonté de vouloir faire évoluer les choses et de vouloir trouver des solutions, ce qui est bien sûr à noter. La difficulté qui nous a été ramenée, hein, des études techniques, bien sûr, de faisabilité ont été mises en place et il s'avère que on ne peut pas agrandir pour des raisons techniques sur l'existant. Alors, donc cette piste est écartée. Qu'on explique pour les téléspectateurs, hein, pourquoi on ne peut pas. Vous me l'avez dit tout à l'heure, mais je crois que nos téléspectateurs ont envie de savoir. Alors, on avait fait le choix sur deux terrains. Il s'avère qu'après les études, on se rend compte qu'il y a un terrain qui est inondable. Ça peut poser des gros difficultés, vous imaginez. Bien sûr. Et le deuxième, il y avait un problème de superficie, parce qu'il y a une superficie minimum, si vous voulez, pour faire une construction d'établissement pénitentiaire, parce qu'il y a l'établissement et il y a aussi la périphérie, ce qui peut se comprendre, pour éviter d'ailleurs ce qu'on a dans tous les établissements pénitentiaires, toutes ces projections qui envahissent nos établissements et qui posent des gros problèmes de sécurité, comme on a pu voir à Magicavo, de manière reprises. Régulière. Donc la difficulté, elle est là. Encore une fois, comme le disait Emmanuel, il ne faut pas qu'on réitère les erreurs du passé. C'est-à-dire qu'en 2014-2015, on construit cet établissement, mais sans écouter les hommes de terrain, que sont les personnels, les représentants syndicaux, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette impasse. Donc je pense qu'il faut que ces politiques, ces personnes qui prennent les décisions, on n'est pas dans des postures syndicales, on est vraiment dans une volonté de faire améliorer les conditions de travail et je pense qu'il faut le dire également, les conditions d'hébergement des personnes détenues. Oui, parce que ça va ensemble. Dans une petite cellule, c'est très anxiogène pour les personnes et ça n'aide pas à une vie carcérale équilibrée, si je puis dire. Emmanuel Baudin, Éric Dupond-Moretti, quand il est venu en mars 2022, ici même à Mayotte, a dit on va construire une, je sais plus si c'est même 2023. 22, je crois. Enfin bon, en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, il a dit on va construire une nouvelle prison, ça y est, on y va, on va construire également un centre éducatif fermé, c'est parti. On est aujourd'hui fort longtemps après, le sénateur S2O a relancé le nouveau ministre qui en gros a fait une réponse tellement vague qu'on a tous compris que c'était enterrer aussi la nouvelle prison. Alors nous, pour nous, c'est pas enterrer. Là, il y a le ministre a annoncé, vous savez qu'on est en pleine négociation du budget du ministère, du budget de la France, mais du ministère de la Justice, celui qui m'intéresse le plus. Et donc, il faut faire un point d'arrêt pour regarder, parce que il y a des réductions de budget, donc il faut regarder. Et puis, construire des prisons sans personnel, c'est pareil, ça sert pas à grand chose. C'est ce que je leur explique depuis un petit moment. Donc, regardez les priorités. Donc, pour nous, Mayotte fait partie des priorités, donc ce projet, il n'est pas question qu'on l'arrête. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qu'on a au niveau du ministère, on va défendre ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller vite. Il faut préempter un terrain, parce qu'une prison, c'est minimum 4 ans. Le temps qu'on la construise, qu'on la sorte de terre, et ensuite qu'on envoie des personnels, il faut minimum 4 ans, donc c'est pas pour demain. Mais nous, on se battra pour que Mayotte reste dans les priorités et soit pas évincée du projet 18 000, puisque de 15 000, on était passé à 18 000 places de prison supplémentaires, parce que de toute façon, c'est indispensable à Mayotte. Ou alors, il faut dire au juge, vous n'incarcérez plus.
Je ne pense pas que ce soit la volonté de la population. Non. Je pense que la population aimerait qu'il y ait encore plus de condamnations à des peines de, prison. Vincent Pardoux, lors de la, mutinerie, les personnels, il y a eu des, prises d'otages, hein, et notamment des gens de chef de justice qui ont été malmenés pendant cette, prise d'otages. Les personnels avaient demandé à ce que les responsables de cette mutinerie soient quittent Mayotte, en fait, pour aller vers d'autres centres de détention, Réunion, Métropole. On a su que certains étaient partis, puisqu'il y a eu des communications autour de ça, mais est-ce que aujourd'hui, presque un mois après la mutinerie, l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans ce, mouvement n'est plus à Mayotte ? Non, ils sont toujours à Mayotte. Déjà, pour la première raison, c'est qu'ils vont répondre pénalement des actes qu'ils ont commis. Ils vont passer ces 7 semaines, je crois. Exactement, et c'est très important pour la reconstruction psychologique de, nos collègues. Mm-hmm. Je tiens encore à avoir vraiment une pensée particulière pour eux. On les connaît, on les a croisés, on a des gens proches de nous. Oui, des gens des faux justices. Qui ont été pris et qui ont été d'ailleurs très courageux, qui ont malgré cela sont venus, si vous voulez, accompagner les collègues pour reprendre le travail, pour essayer de trouver des solutions. Donc je pense qu'il faut aussi le dire et le féliciter. Ils ne sont pas partis encore, oui, les meneurs ne sont pas partis. On a reçu sur le département de La Réunion des gens qui n'avaient pas forcément participé, qui étaient présents dans le, bâtiment où il y a eu la prise d'otage, mais qui n'ont pas participé, si vous voulez, physiquement aux exactions qu'il y a pu avoir dans cet établissement. Donc ça, c'est un premier fait. Nous, la volonté, et moi j'ai participé en étant présent sur place, si vous voulez, avec l'intersyndicale, à trouver des solutions, à ramener la possibilité de revenir dans ce bâtiment qui avait été saccagé par les détenus. Donc c'était aussi une de nos demandes, qu'ils quittent, si vous voulez, Mayotte, mais pas que Mayotte, c'est-à-dire la zone océan Indien pour être transférée sur le département hexagonal. Donc avec l'appui, bien sûr, de notre secrétaire général, parce que c'est aussi important, sa présence pour nous aujourd'hui sur le département, elle est primordiale. C'est notre les principales et il est entendu et reconnu par le ministre de la Justice pour, amener les, informations qu'il faut. Donc à l'issue du procès, bien entendu, et là il n'y aura pas de négociation possible, ces mutins partiront. Le message doit être clair et nous attendons, et même si on n'est pas pour, on n'a pas pour habitude de faire des commentaires sur des décisions de justice, mais on attend une réaction, si vous voulez, une réponse pénale vraiment adaptée, proportionnelle à la gravité des faits, car c'était, je le rappelle, la première fois que dans la zone océan Indien, on avait ce type d'exaction. Il faut vraiment qu'il soit sanctionné de manière forte et qu'il y ait un message qui soit passé. Alors, il y a une réalité qui n'a jamais été totalement révélée, mais comme vous êtes là ce matin et que vous étiez sur place, vous allez sûrement nous dire ce qu'il en est vraiment. Pour certains, c'était un petit matelas dans un coin qui avait pris feu et que ça s'est très très vite arrêté. Pour d'autres, il y avait plus de 80 gendarmes dont le GIGN, dont certains ont été quand même pris à partie et que le rez-de-chaussée de ce bâtiment dont vous parlez a été totalement incendié et que le bâtiment a été saccagé. C'est quoi la réalité entre un petit matelas qui flambe et une émeute ? Alors les matelas qui flambent, on les a vus sur les vidéos, ça, on va pas le nier. Il s'avère qu'au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, il y a eu un bureau qui a pris feu, hein, très clairement. On a encore des stigmates. Aujourd'hui, on était encore hier avec Emmanuel dans le bâtiment. On a encore les odeurs de brûlé qui persistent. On a toute la vidéosurveillance qui a été cassée. Il y a eu des dégâts matériels importants. Moi aussi, j'ai entendu certaines déclarations qui m'ont choqué concernant ce qui est arrivé au personnel. Hein. On ne peut pas sous-estimer ce qui s'est passé. C'est, c'est une prise d'otage pour moi, clairement. On a empêché des agents de sortir d'une cour de promenade. On les a bloqués avec les personnes détenues. On en a d'autres qui se sont réfugiés pour éviter d'avoir la vindicte populaire des autres détenus. On a notre collègue qui a été amené au sol, qui a été frappé avec une barre de fer. Ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé. On peut le voir, on a vu. Terrain de sport d'ailleurs qui est pour les détenus, donc ils ont même brûlé ce qui peut leur servir de faire. Ils font plus de sport. Ils ont brûlé le terrain de sport qui a pris feu, donc le terrain de sport est fermé. Donc c'est une réalité. Donc c'était vraiment une véritable mutinerie. C'était pas un petit matelas qui a pris feu dans un coin. De se réduire à un petit matelas quand on voit les moyens qui sont engagés. Je sais que la gendarmerie ne parlera pas et c'est normal, mais c'est une réalité. Nous, on a vu les vidéos, donc les vidéos sont très claires. Je pense que durant le passage dans la juridiction, peut-être qu'il y aura certaines vidéos qui circuleront lors de l'audience. Remercier les gendarmes parce qu'ils interviennent rapidement et heureusement, parce qu'on est vite débordé. Hein, vous rendez compte, le nombre de détenus face à les surveillants sont pas armés à l'intérieur, rappelons-le aussi. Hein. Donc si les gendarmes n'interviennent pas très vite, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, puisqu'ils auraient pu franchir d'autres portes.
Et malheureusement, on ne sait pas ce qu'il en serait devenu. Et on voit d'ailleurs dans les vidéos qu'il n'y a plus de contrôle à un moment donné. On le voit très bien. Bien sûr, en plus, il se filme sur les réseaux sociaux, oui, c'est la bien nouvelle sûr. Mode, et on le voit très très bien. Donc ça, c'est pas. Ah, on c'est a pas vu des vidéos voilà. circuler à l'intérieur de la prison avec des qui faisaient n'importe quoi. Il y avait des trucs qui volaient. Ils dansaient, ils chantaient. Enfin, ils faisaient les malins, quoi, en vrai. Enfin, vous verriez l'état du bâtiment en général, parce que bon, là, ils ont détérioré. Mais quand vous avez une prison pour 278, qui sont presque 700, le bâtiment est pas entretenu. Tout tombe en ruine dans ce bâtiment. Regardez, on est à la télé. Ils n'ont même pas la télé en cellule. On ne peut pas donner... Vous avez plus de 30 mineurs, là. Ils n'ont pas de télé dans le quartier mineur. Enfin, je veux dire, quand on est enfermé quasiment toute la journée et toute la nuit, bien évidemment, ils n'ont même pas l'accès. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui bloque. On n'est plus capable de fournir... Enfin, ça les occupe quand même. Ça leur permet de regarder ce qui se passe, de voir l'extérieur. Là, il n'y a plus de terrain de sport. Il n'y a plus que la promenade. Les activités sont à l'arrêt. Ils ont même pas la plupart n'ont pas de télé dans leur cellule. C'est quand même simple à mettre. On nous explique qu'il y a un problème de... Enfin, je ne comprends pas, moi. Il y a des problèmes bâtimentaires qui sont dus aussi, si vous voulez, cette surpopulation a bien sûr, amené à une usure prématurée de cet établissement. On est bien d'accord. C'est logique. Maintenant, aujourd'hui, on a des problèmes de sanitaire, on a des problèmes d'évacuation d'eau, on a des problèmes électriques, on a des problèmes de télévision. On a des gens qui sont surpeuplés dans des cellules, je vous le dis très clairement. Dans aucune autre prison, dans aucun autre département, les personnes détenues accepteraient ces conditions. Il faut le dire. Donc ça, c'est important. Ce qui veut dire que si les conditions sont dégradées, vous imaginez les conditions de travail de nos collègues. C'est ce qu'ils vivent au quotidien. On y était encore hier avec Emmanuel. Je veux dire, sincèrement, le centre de détention, le bruit, les odeurs, la saleté. C'est vraiment des conditions de travail extrêmement difficiles. Merci beaucoup à tous les deux de ce témoignage qui était nécessaire, je pense, à faire pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs puissent se rendre compte de la difficulté des conditions de travail et de vie à Magicavo et puis peut-être aussi donner l'envie au ministre de débloquer des budgets parce que c'est le moment, n'est-ce pas ? C'est ça. Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale pour défendre le budget du ministère de la Justice, vous voyez. Ah bah écoutez, donc peut-être qu'il y aura de bonnes nouvelles. Peut-être y aura-t-il des bonnes nouvelles à la fin de la journée. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau. Pour nous, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.